Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve avec notre ami Craig pour du Borderlands 2. C'est parti! Donc on recherche les journaux de Jack. Et donc c'est parti pour rechercher les journaux de Jack. On va donc au Arid Nexus Spaniard. Pour mieux connaître notre ennemi. Et oui, pour bien combattre ton ennemi. Essaye de bien le connaître. Donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de bien le connaître. Et pour ce faire... on va essayer de retrouver les journaux... Actionner. Il paraît qu'il faut monter là-dessus, mais je sais pas par où. Alors, ces oiseaux de merde vont pas arranger les choses. À moins que ce soit dans le nid de Skag. Attendez. Ça, c'est pas des Skag, c'est des Shrak. Ah non, d'accord. J'ai pigé. D'accord. Dans l'estomac d'un Shrak, en fait. Mais c'est pas au docteur qu'il fallait des bouts de Shrak? Pourquoi ça me le valide pas? Parce que j'ai pas pris la quête ou... Je ne sais pas... Problématique. Wow. Qu'est-ce qui me fait exploser comme ça? Ça va pas à tête. Je vois un truc. Ah voilà. Merde. C'est pas un truc de voiture ça? Ah si, c'est là. Voilà. On va faire. On va matérialiser une voiture. Vous allez voir. Ce que je vais vous dire. Je suis trop fort. Parce que j'ai l'impression que c'est un méga Shrak qui se promène avec notre enregistreur. Et donc, notre enregistreur est où? Du coup? Ça a été actionné.
Il a changé de nid. Bah avance. Ah merde, non. Tu peux pas avancer, c'est celui-là. T'es monté au mitrailleur. Alors, c'est assez stressant, je vous l'avoue. On aurait pu croire que c'était dans la merde de Shrek. Là, voilà. On reprend... Ah, c'est là. Allons, monsieur Taciteur. Chantage est un vilain mot, n'est-ce pas? Non, maintenant que j'y pense, c'est pas vrai en fait. C'est un joli mot. C'est sympa même. Chantage. Répétez avec moi. Chant. Oh, allez vous faire foutre, John. Ce n'est pas parce que vous avez eu de la chance sur Pandore que parce que j'ai eu raison, vous voulez dire. Et appelez-moi Jack, imbécile. Vous avez réussi à effrayer les autres PDG pour qu'ils revendent leur part, mais je vous connais. Je sais que sous ce masque ridicule, vous êtes un ignoble petit moins que rien. Monsieur Taciteur, connaissez-vous la différence entre étouffement et étranglement? J'avais pas remarqué, mais regardez dans la quête, apprendre à connaître Jack. Trouver journal de Jack 1, 2, 3, 4, 3. C'est 4, 5 normalement. On fait une petite faute, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hein. Donc on va aller, on va continuer, hein, tout simplement. Donc là, je m'enregistre une grosse session, hein, autant vous le dire. Je vais garder le corrosif parce que je sais pas s'il y a que des bonhommes ou... Bon, l'enregistreur est là. Pourquoi ça ne marche pas, l'ange? Je t'ai injecté chaque gramme d'iridium que j'avais. Mais cette foutue clé ne marche pas. Pourquoi? Je suis désolée, je l'ignore. Tu es une sirène. Un être unique. Débrouille-toi pour que ça marche. Je veux ce guerrier, l'ange. Je veux que tu le réveilles. Je veux qu'il soit sous mon contrôle. Tout de suite, pas plus tard. Maintenant. Jack est un peu beaucoup capricieux. Hein. Sachez les amis qu'il vaut mieux prendre son temps pour obtenir des choses que de se presser. D'être trop pressé et de ne pas obtenir exactement ce qu'on veut, par exemple. On va pas se parler, on va pas faire le fufou. Et ne pas obtenir exactement ce qu'on veut ou obtenir ce qu'on veut, mais plus tard il y a un truc mieux qui s'est mis. Oh merde! Et on peut pas l'acheter parce qu'on a été trop pressé, tout simplement. Quelqu'un a commandé un... Sachez attendre. Voilà. Le petit... La petite... le petit truc du jour. Merci de me laisser rentrer. Je peux pas prendre le truc. Eh ben, allez vous faire... Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hop, voilà. Un dysfonctionnement de l'ange a coûté la vie à 12 employés. Nous devons la désactiver. C'est d'ailleurs... Ah, c'est à cause d'eux que je peux pas prendre les trucs. Notez ceci, s'il vous plaît. J'étrangle monsieur Morin pour avoir parlé de ma femme. Monsieur Morin. Ah,
Mon Dieu. Autre chose sur mon agenda aujourd'hui, Jimmy? C'est Jeffrey, monsieur. Et non. Merci, Jimmy. Très bien. C'est la tournée du coup de chat. Mon Dieu, il est horrible. Ignoble. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? On va aller au rapport. Mon véhicule. Il est où mon véhicule? Je veux me noyer dans ton sang. Donc on va aller au rappeur. Hop, par où on passe? Du coup, ah, c'est faut repasser par là-bas. Ok. J'ai l'impression qu'il faut repasser par. Ah oui, il faut aller à Firestone. Donc du coup, on va abandonner le véhicule et aller à Firestone, ça doit être au panneau des primes de Firestone. Voilà. Ça fait une petite... Ah, c'est Stry, là. C'est cette merde, là, qui nous... Donc, vous voyez, le bouclier fait 6383. Il tombe hyper vite. C'est dingue, quoi. Hop. Tu meurs, s'il te plaît. Hop. Hop là! Hurried Nexus Balance. C'est quand même sympa de revoir Firestone. La ville du tout premier Borderlands. Plomber le cul de ce Skag. Barrière, hop là. Ah oui, il faut fouiller dans les skags. Tac, parfait. Hop, tout va bien. On va récupérer une petite récompense. Chaque fois qu'on va revenir, il va y avoir ces salopards. Hein. Parfait. Pour moi, c'est pareil. 1352. Oh. On prend celui-là, alors. Oh. Attendez. Hop. À court de munitions. Yeah. Yeah. Bananier.
quoi. Qu'on achète des munitions. Pourtant, on en a mis des quelques, hein, des munitions. Pour vous dire que... Vous dire qu'on a bien fait évoluer la mitraillette. Je sais pas d'où il tire, lui. Ah, bah, tout voilà. Porteur Jink. Parfait. Ah oui, mais pour avoir le machin, il faut... C'était chez, chez notre ami, le docteur. Attendez, on va monter. Peut-être que le déverrouillage du truc est là. Je ne sais pas. Echo. Écoutez-moi. Certains ouvriers se plaignent que nos extractions d'iridium ravagent la planète. Alors, je suppose que vous dites ça parce que vous ne connaissiez pas Pandore avant notre arrivée. Vous savez comment on l'appelait, cet endroit? Les Badlands. Un trou à rats poussiéreux où les rêves viennent pour crever. À présent, il y a des pipelines qui acheminent du somptueux iridium, des machines à la pointe de la technologie, des bons gros volcans. Franchement, qui n'aime pas les volcans? Des montagnes qui crachent du feu? C'est la quintessence du mot hallucinant, hein? J'ai pas raison? Parfait. Ah là, on a du gun. Tu ne trouveras pas meilleure marchandise ailleurs. Parfait. Mon millionième client! Mais on va pas en faire... Je vais aussi garder mon iridium et continuer à augmenter le truc de ma mitrailleuse. Je crois que je peux acheter pour 28 ou 30 d'iridium, donc il va falloir conserver tout ça. Voilà, voilà. Tranquille ou pépère. Extraction de données. Une fin de skag. Écoutez, on va faire une fin de skag. Parce qu'il nous manque que deux trucs. Hop. Ouais, vous voyez, il y a des tags là-bas. Exactement comme dans le premier Borderlands. C'est parfait. Parfait, tout ça. Hop, on ramasse, on ramasse. Est-ce que... Tous les morceaux de l'arme. Quoi rapport? Rapporte-les-moi que je te les assemble. Eh ben c'est parfait, dites donc. C'est gratuit pour cette fois. Hop là. Ensuite. Poignard, purée de monstre, on en a combien? 13 sur 20, si traquer les Shrax, 13 sur 20. Est-ce qu'on le ferait pas ça? On va se le faire, écoutez. Ouais, mais Fred, ça va te faire râler parce que les Shrak, ils sont... à faire. Mais... On est à 19 minutes, les amis. D'enregistrement, je vais faire 25-30 minutes comme on fait d'habitude. À part quand je vous annonce que je fais plus long parce que... J'ai loupé un truc ou que je vais faire plus long. Mais... Ouais, on va essayer de se les faire. On prend une bagnole, on se les shoot en bagnole. Et puis... ça fera l'occasion de retourner à Sanctuary. Puisque c'est une mission du Dr. Zed.
Ça fera l'occasion de la finir, cette mission aussi, écoutez. Ça fera l'occasion de la finir. Hop, donc on va sauter dans le vide comme ça, n'est-ce pas? Comme ça, avec style, avec classe. Tu vois la classe? Tu sautes dans le vide. Ça, c'était le col de Krieg. Hop. Tech, on va choisir quoi? Un granit. De toute façon, vous en foutez, hein, la couleur. Hop là. Hein? Dis-moi pas qu'il faut absolument que je les tue, hein. C'était peut-être pas un Shrek qui est en haut. Non, c'est des Rax. Pas des Shrek. Est-ce que ça nous dit où faut aller? Je vous présente les Skraks. Le corps d'un Skag, les ailes d'un Rak, la rage des deux. Si vous avez peur, voilà. Et l'abomination du docteur Zid. Elle est où l'abomination? C'est quoi l'abomination? J'ai peur. Qu'est-ce que tu m'as fait, Zid? Zed? Qu'est-ce que tu m'as fait, Zed? Dans Iridium Blight. C'est parti. J'aurais peut-être pas dû le faire, voyez-vous. On va aller voir cette abomination. Et on va tenter de la tuer et on mettra fin à l'épisode. Si on peut la tuer avec la voiture, tant mieux. Hop, voilà, excusez-moi, j'ai bu un peu de pêche. J'aurais dû passer avec la voiture ici. C'est pas bien grave. On va tenter de voir cette abomination. Au moins la voir. Je ne sais pas ce que le docteur Zid nous a concocté. Zid. Hop, on va se prendre une voiture ici. Je veux me noyer dans ton sang. Je pense que faisait ce robot là-dessus.
On va prendre la voiture. Qu'est-ce que tu m'as fait, Zed, encore? Par où on passe? Attendez, attendez. Un doute m'habite. Transition vers The Dust. Donc on doit pouvoir prendre le téléporteur alors. J'ai un téléporteur à Iridium, j'espère. Attendez. Non, là il y a juste le portail. Là, il doit y avoir. Attendez, on va tenter de rejoindre. Ah ouah, pas par là. Toi aussi tu es ton coup. Voilà. Est-ce qu'on peut rejoindre par là? On peut quitter, il me semble. Hein. Ouais. Et. Je regarde s'il n'y a pas une station de téléporte là. Ce qui nous aiderait. Sinon, sur le Dust, il y en a une, donc on va aller au Dust, hein, au pire. On va aller au Dust, il y en a une au Dust. C'est pas un problème. Au moins qu'on voie cette abomination avant de mettre fin à l'épisode. Puis si on peut la battre, tant mieux. Si on peut pas la battre, tant pis, on mettra fin à l'épisode et on réapparaîtra où on sera. Ah, attendez, on est en. Il n'y en a pas, il faudrait qu'on aille vers Elis, au pire. Au garage d'Elis. Parce que là, on va aller où ensuite? Ça nous dit où? On va aller au garage d'Hélice et voir si j'arrive à bien me repérer. On a de l'assurance. Hop. Là, on quitte le territoire. C'est un peu relou d'ailleurs. Tu peux pas couper comme tu veux parce que tu quittes le territoire. C'est pas toujours très cul-cul. Je quitte par où par contre là? Ça fait un moment que je suis pas revenu au Dust, dites donc. Oh, j'ai tout perdu. Il va falloir descendre, j'ai l'impression. Hop là, yes. Ah oui, là il y a les hélicos. Hop, ça fait un bail que je suis pas venu au Dust. Voilà. Le garage de notre ami Elis. Tiens, non mais. Laisse-moi aller voir ma petite Ellie adorée. Qui n'est plus là d'ailleurs. T'es là, Ellie?
T'es pas là. Bon, bah écoute. Hein. Ah, j'en profitais pour voir si je peux recharger mes armes. Prix très bas et aucune question. Que ça t'aide à tuer encore plus. Voilà. Vendre des trucs. 4,22. Ça, j'ai dit que je le gardais pour le moment. Ça, on le revend. Ça, on le revend. 409, mais corrosif. On attend avant de revendre. Ça, on le revend. 2006, 1003, on le revend. 16 000. Ah oui. Voilà. Mode de grenade. Hop, les boucliers moins forts, on les revend. Et voilà. Parfait, parfait, parfait. On prend le pognon. J'ai pas tout pris comme pognon, d'accord. On est tombé dans la fosse. C'est parfait. Ah, oh, salut Ellie! Ah, oh, ben voilà. Tiens, hop, parlez. Ça me plairait bien qu'on s'éclate un peu tous les deux, mais du boulot, j'en ai pas pour toi. Ok, on s'éclatera tous les deux plus tard, ma petite Ellie. T'inquiète pas, c'est pas un problème. Hop. Ah oui, passé déjà 32, les amis. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude. Alors, je vous emmène voir la belle Height. Je pense que ce sera un boss et puis on se laissera par là. On verra. Frostbone Canyon. Oh là là, elle est loin. Elle est loin, les amis, la bébête, elle est loin. Je pense qu'on va se laisser là, les amis. Parce que la bébête, elle est loin. Et on la verra pour le prochain épisode. C'est le Gouac, les amis, regardez, c'est le Gouac. Elle est trop loin, elle est trop loin, elle est trop loin, elle est trop loin. La bête est là. On la tuera pour le prochain épisode. On la verra pour le prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.